Bonjour, bonjour, chers abonnés. Toujours Mounir la recette. Aujourd'hui, c'est la recette du pâte de piment, le piment rouge. Alors, comme vous voyez à l'écran, les différents ingrédients sont là. Et tout est mentionné sur la première page, comme d'habitude. Et là, voilà, je vais découper tout ce qui est piment. Vous voyez, les découpes. Il est accompagné de l'ail, de l'oignon et la moitié d'une tomate. Voilà. Pour ceux qui venaient de me prendre en marche, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager. Voilà. Je vais tout découper. Voilà. On a fini de découper les oignons, de l'ail. Le piment, on va passer au mixage. Voilà. Dans un mixeur bien nettoyé, faut bien mixer le tout. Là, je rajoute au fur et à mesure. Et ça, c'est de la ciboulette. Il est un peu congelé parce que moi je prends le frais, je découpe tout et je mets au congèle. Du coup, raison pour laquelle que vous voyez que c'est congelé. Et là, j'ai fini de mixer. Je vais renverser le tout dans une petite marmite. Et on va passer au feu pour retirer un peu le jus pendant 15 minutes. Et là, vous voyez, je rajoute du poivre. Ça, c'est le demi-cube, cube étoile que j'ai rajouté. Et un tout petit peu de sel. Voilà. Les amis, faites attention, vous faites à feu doux. Parce qu'au fur et à mesure que ça bout, ça saute. Et là, c'est prêt. Après 15 minutes, hein, c'est prêt. Parce que je n'avais pas mis un peu trop d'eau dans le mixage. Voilà. C'est la pâte. On va mettre un tout petit peu d'huile au-dessus. Voilà, nos pâtes sont prêtes. À bientôt.